Yo les gars, salut à tous, c'est bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière les gars, ça se passe entre toi et moi mon pote. Genre ça me fait vraiment super plaisir de vous parler de ça les potos, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vais vous parler du harcèlement les potos. C'est quelque chose qui arrive tous les jours les potos, tous les jours les potes. C'est vraiment quelque chose de très grave, comme à la télé on en parle, le journalisme, à l'école, le collège, le lycée, genre mais partout. Et franchement, le harcèlement, ça peut être très très grave. Genre, même si on n'en fait pas attention, les potos, ça peut être vraiment très très grave. Parce que même un petit mot, poto, genre un petit mot, genre ça ramène par un autre mot, encore un autre mot. Genre, c'est vraiment quelque chose de fou. Parce que le harcèlement, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on dit à des gens, mais que ça trouve même dans notre conscience, on s'en rend pas compte de ce qu'on dit. Parce que je voudrais vraiment qu'on stoppe tout ça les potos. Parce que vraiment le harcèlement aussi, ça peut être envoyer tout le temps des messages aux gens, des messages, ouais t'es moche, ouais envoie-moi quelque chose de toi, ouais fais ci, fais ça, fais ci pour moi, fais ci. Hop, la personne, elle commence à péter un plomb, genre elle sait pas ce qu'elle fait, tout ça. C'est vraiment le harcèlement les potos, genre vraiment, si vous pouvez éviter de faire ça les potes, genre vraiment, parce que c'est quelque chose de très grave le harcèlement. Et en plus, c'est vraiment grave aux yeux de la loi, le harcèlement, parce qu'il faut vraiment faire attention. Parce que moi, franchement, j'ai connu des gens qui l'ont eu, les potos, ou même moi-même qui l'ai eu. Je suis désolé, ouais, mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde a eu du harcèlement, les potos. Tout le monde. Obligé, tout le monde. Si même si tu l'as pas eu maintenant, ça se trouve, tu l'auras dans. Ça se trouve, tu l'auras après-demain, ça se trouve, tu l'auras dans 2 mois, ça se trouve, tu l'auras dans 1 an, 2 ans, 3 ans. T'en auras du harcèlement. Le harcèlement, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Ça peut être physique ou moral. Ça peut être sur quoi? Sur la religion, la couleur de peau. Genre, ça peut être quoi, sur quoi? Parce que t'es une fille, ou parce que les filles, elles insultent les garçons tout le temps. Genre, je sais pas, ça peut être tellement de choses, le harcèlement. Genre, soit le truc qui reproche le plus dans tous les établissements scolaires à chaque fois, du pur et dur, et ce que je voudrais que les gens arrêtent de faire ça les potos, c'est d'insulter les gros. Parce que ça vraiment, c'est ce qu'il y a de plus mauvais dans les établissements scolaires les potos, c'est franchement les personnes qui sont, on va dire, enrobées les potos, et franchement les gens qui les insultent tout le temps, qui disent ouais t'es gros, hein, tu vas jamais rien faire dans ta vie à part aplatir tes 78. Non, franchement arrêtez, parce que vraiment c'est quelque chose. Vraiment, dans leur tête les potos, genre ils sont pas bien, genre ils disent putain mais je suis gros, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, putain je suis là chez moi, je mange à peine un petit gâteau, je prends 3 kilos, genre qu'est-ce que je devrais faire les potos. Donc vraiment sur ce coup là les potos, arrêtez de les insulter, parce que vraiment c'est vraiment aussi pour ceux qui le font. Ça se trouve vous le faites pas, hein. Ça se trouve il y en a qui le font, pour ceux qui regardent les vidéos, ça se trouve il y en a qui le font pas les potos, mais c'est juste faites gaffe sur ça les potos, sur le harcèlement, parce que c'est vraiment quelque chose de très grave. Parce que même si vous vous en rendez pas compte, je le dirai tout le temps, vous vous en rendez pas compte, c'est quelque chose de grave les potos. Parce que vraiment, genre ça, genre sur le moral de la personne, genre t'imagines, sur le moral de la personne, tu vous dis tout le temps la même chose, ouais passe-moi ci, passe-moi ça, ouais t'es gros, ouais t'es moche, tout ça. La personne elle va péter un plomb, elle va prendre un couteau, elle va se scarifier ma gueule, ou soit elle va se couper les veines. Ou tu vois, à un moment elle me dit ouais les gens ils m'aiment pas, bah, j'ai pas d'amis, j'ai rien, je préfère mettre fin à mes jours. Là mais plusieurs personnes, vous n'avez jamais remarqué, c'est les informations, la télé, même sur internet, les gens qui se suicident à cause de ça les potos. Genre c'est vraiment très grave, genre il faut vraiment faire attention à ça les potos, genre à chaque fois, genre. Mais je sais pas, c'est même des fois vous harcelez des gens, mais ça se trouve vous en rendez même pas compte. Genre c'est ça qu'il faudrait surtout arrêter les potes. Genre c'est genre ça se trouve vous me faites non, mais moi je fais rien, moi je fais pas d'harcèlement, moi je parle juste à mes potes, à tranquille. Mais je parle pas à vous, genre faut pas se sentir directement visé. Ça se trouve si tu te sens visé sur ça poteau, ça veut dire que t'as quelque chose à te reprocher derrière, ça veut dire que t'as quelque chose vraiment à te reprocher. Mais bon après voilà quoi. Mais c'est surtout, mais faites vraiment gaffe à ça les potos, genre vraiment surtout quand vous êtes au collège ou soit au lycée les potos, parce que c'est là où vous êtes les plus fragiles. C'est pas parce que vous êtes les plus fragiles, tu vois, mais il faut vraiment faire gaffe, parce que quand vous voyez des fois dans mes lives, ouais, une paire torte, t'es moche, ouais, tu sais pas jouer, non. Moi je m'en fous, moi je pense à la rigolade, moi je suis là pour m'amuser, faire de bons bails, pour vous faire rigoler, tout ça. Mais des fois quand il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux les potos, comme je vous disais sur le harcèlement, quand je vois plusieurs fois sur mes lives, les gens ils sont venus, ouais, il y a des gens qui m'harcèlent et tout. Ouais, franchement, les gens, il y a des gens qui vous harcèlent les potos, la première chose à faire, bloquez-les. Genre vous les bloquez, c'est la meilleure des solutions, bordel de merde. Genre c'est vraiment de les bloquer, genre vous faites pas de gaffe, vous faites, putain il me saoule, ok, tu veux jouer avec moi? Je joue avec quoi? Allez, baisse ta mère et je te bloque. Allez, hop. Voilà, hop. Tu poses ton téléphone, la personne, elle t'envoie un message sur Messenger, sur Facebook, le truc de message là. Ok, hop. Bloqué.
Hop, tout simplement, on a tout ce qu'il faut dans la vie maintenant pour arrêter le harcèlement. Genre, la personne te harcèle, même si elle a une photo de toi, genre, je sais pas quoi, genre, même si t'es. Genre, tu t'en fous, si les gens ils vont rigoler de toi, genre, pourquoi? Genre, pour une semaine. Après, les gens, ça se trouve, le mois prochain, on vous dira, ouais, mais la photo qui avait tourné de toi et tout, c'était trop drôle et tout. C'est fini maintenant, il y aura toujours d'autres choses. Genre, faut pas, des fois, se dire, même si des fois, tu te fais harceler, voilà, genre. Vraiment, des fois, tu bloques la personne va dire, ok, tu me bloques tout ça, tu vas voir, je vais te balancer des photos de toi, genre des trucs comme ça et tout. Ok, tu vois, j'ai tes messages, d'accord. Tu vois, j'ai toutes les preuves. Elle dit, balance. Et la Hyundai qui sont juste là, enfin les flics, pardon, la Hyundai qui va dire attention. Ils sont juste là, les flics. Elle dit, balance, j'ai toutes les preuves. Je suis là. Vas-y, tu balances. M'en fous, dans les deux cas, moi je serai protégé, je recevrai de l'argent, tu paieras mon avocat, et c'est toi qui seras dans la merde. Ok, bon bah vas-y, balance, je te bloque, tu fais ce que tu veux. Tu veux balancer mes nudes que je t'ai envoyées comme ça, parce que j'étais amoureux de toi, nana, ou toi j'étais amoureux de toi. Ok, bon, j'ai les preuves que tu voulais tout envoyer. C'est toi qui seras dans la merde, c'est pas moi. Moi, ça sera juste une honte, mais voilà. Voilà, si vous faites harceler parce que vous avez envoyé une nude pour je sais pas quoi, une nude pour je sais pas quoi, genre vous avez envoyé une photo de votre corps et tout, genre vous étiez en culotte, ou soit est-ce que vous étiez en caleçon, vous voulez faire le beau, il y a votre petite boule qui dépasse, il y a votre boule qui dépasse et tout. T'as battu les couilles, certes, ok, tu veux m'afficher, t'inquiète pas. Harcèlement, poteau, je vais chez les flics, harcèlement, tout ça. Faut des fois savoir aussi se défendre, les potos. C'est pour ça que quand je fais une petite mise en scène comme ça, il faut savoir aussi se défendre. Genre, c'est pas. C'est franchement le harcèlement, c'est pour ça que j'en viens à associer les potos, parce que c'est quelque chose qui est très très grave sur le physique et le moral, les potos. Genre, c'est pas. C'est vraiment quelque chose de très 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 grave. Et je voudrais surtout que les gens, ils arrêtent ceci, parce que franchement, à cause des gens comme ça, les gens, ils sont pas bien dans leur vie. Et c'est comme ça que les gens, ils arrivent pas à progresser. Et c'est à cause de ces gens comme ça que les gens. Au lieu de monter, les potos, ils stagnent en fait, ils stagnent, et à cause de ça, dans leur tête, ils sont pas bien, ils sont vraiment pas bien du tout, et c'est pour ça que les potos, genre, il faut arrêter. Le harcèlement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Même si vous connaissez un de vos potes, genre, en mode, un de vos potes qui fait du harcèlement ou quoi que ce soit, même si vous savez, genre vous lui dites, ouais, tu le harcèles là, bah, tu lui fais, ouais, arrête. Arrête, si la personne n'a pas envie de toi ou quoi que ce soit, là, si elle n'a pas envie de te parler, frérot, t'arrêtes, frère, t'arrêtes. Ça sert à rien. Ça sert à rien de forcer les choses. Ça se trouve, plus tu forces les choses, plus tu auras moins les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le délire, c'est ça le truc. Genre, ça sert à rien. Mais surtout, les gars, faites vraiment attention, vraiment, sur le harcèlement, les potos. Ceux qui se font harceler, les gars, je vous dis amplement, ceux qui se font harceler, vous en battez les couilles. Vous en battez les couilles. Vous leur dites, ok, tu me traites de gros, ok, tu me traites de moche, ok. La roue, elle tourne, de toute façon. J'en s'en fous, la roue, elle tourne. Ok, tu me traites de gros, tu veux me rabaisser devant tous tes potes, devant toutes les meufs qui sont là, qui ont mis l'abonné sur leur Instagram alors que moi je suis à 20 et tout. Ouais, mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, vas-y. T'inquiète, moi je m'en fous. Moi je suis avec mes 2-3 vrais potes, au moins ils sont toujours là pour moi. Dès que j'ai un problème, je suis toujours là pour eux. Genre, même si je suis moche et tout. Au moins, non, on se serre les coudes, tu vois. Et genre, toi, quand tu vas avoir un problème ou quoi que ce soit, tes potes vont tous être là. Et personne va aller te voir, soit si t'as été blessé, tu vas aller à l'hôpital et tout. Personne va venir te voir, alors que moi j'ai 2-3 vrais potes. Certes, j'en ai pas beaucoup, mais eux au moins ils sont toujours là à mes côtés. Et moi je serai là à leur côté et je m'en battrai les couilles. Au moins on est là, on est soudés, on est des potes, on reste potes. Et comme on dit les amis, comme on dit les potos, on compte nos amis sur les doigts de la main. Genre, je sais pas si c'est ça l'expression, tu vois. Mais voilà, genre vraiment, les gars. Genre, si vous faites harceler ou quoi que ce soit, vous en battez les couilles. Franchement, point. Genre, vous faites comme moi, les gars. Même moi, quand j'ai déjà eu, je m'en suis battu les couilles. Vraiment, je m'en suis battu les couilles. Genre, les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Mais les gens, s'ils veulent te harceler et dire nanana, ok. Vous lui sortez tous les arguments et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, les gars. Donc, franchement, les potos, dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Si vous voulez plus, on va dire, des trucs, on va dire, un peu tonton, grand frère et tout comme ça. Les potos, moi, franchement, je serai là pour vous aider. Ou soit quelque chose, si vous voulez vous avancer, si vous avez des problèmes dans la vie ou quoi que ce soit. Si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, les potos, genre, pour vous aider dans. Ouais, comme je viens de dire, pour vous aider dans la vie et tout, les potos, genre, pourquoi pas, les potos. Vous me dites ça dans les commentaires qui sont tout en dessous, les potos, et je vous aiderai. Je vous aiderai, y a pas de souci, je vous ferai une petite vidéo dessus. Après, voilà. Donc, les potos, là, j'espère vraiment que ça vous aura plu, les potos. Bah ouais, voilà. Si vous voulez que je vous argumente encore plus, si vous voulez que je fasse plus de recherches sur le harcèlement, si vous voulez que je vous parle plus de mots techniques, les potos, vous me le dites dans les commentaires et je vous dirai ça. Bon, les gars,
Sur ce, les potos, j'espère que vous avez bien compris le message, les potos. J'espère vraiment que vous avez bien compris le message, les gars. Et sur ce, je vais vous laisser tranquillement, les potos. Et puis voilà. Donc, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les potos, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les gars, de lâcher, de partager au max à tous vos potes pour un, on va dire, un conseil, les potos. Vraiment, le conseil de tonton Impé, les potos. Et puis voilà. Donc, les gars, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et on se retrouve la prochaine, soit pour une nouvelle vidéo, soit pour un nouveau live, les potos. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, bye, c'est merde.